Lapillier participe à la réunion des amis de la Syrie à Téhéran pour une solution politique à la crise syrienne. Lavrov affirme la levée de l'embargo sur les armes de l'Union européenne à l'opposition syrienne armée entrave la tenue de Genève 2. L'armée arabe syrienne neutralise des terroristes de front al-Nusra, dont certains de nationalité occidentale. Mesdames et Messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. À Téhéran, la réunion des amis de la Syrie a été inaugurée aujourd'hui avec la participation des délégations de 40 pays. Dans un entretien avec l'ex-président libanais Emil Lahoud, tenu en marge de la réunion, le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a précisé que la position de son pays du règlement de la crise en Syrie a été et restera très claire dans son rejet de toute intervention étrangère qui ne résoudra rien, mais au contraire, elle compliquera davantage la situation en Syrie. Salehi a également tenu des discussions avec les présidents d'un nombre de délégations au cours des lesquels il a souligné l'urgence de résoudre la crise en Syrie par les moyens pacifiques. Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a exprimé le souhait que ces discussions et l'échange des idées entre les participants à la réunion des amis de la Syrie contribuent au succès de la conférence internationale sur la Syrie prévue en juin prochain à Genève. L'Iran, précisé Araghchi, distingue évidemment les groupes terroristes armés de l'opposition nationale qui œuvre pour une solution politique à la crise en Syrie à travers le dialogue. Toujours à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, avait précisé dans son discours d'ouverture de la réunion des amis de la Syrie que la tenue de cette réunion est un pas important sur la voie d'une solution politique à la crise syrienne. Salehi a affirmé que les événements en Syrie pourraient déstabiliser tout le Proche-Orient et d'autres régions dans le monde. Salehi a fait noter qu'entraver la solution politique et aider à l'escalade de la violence en Syrie ne peuvent servir les intérêts d'aucun pays dans le monde. Il a d'ailleurs rappelé que son pays a lancé une initiative de 6 points pour régler la crise syrienne. Salehi a expliqué qu'il est urgent de bloquer toute intervention étrangère, exhortant ainsi tous ceux qui prétendent œuvrer pour la démocratie et la liberté du peuple syrien à le laisser en décider lui-même. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a une fois de plus souligné que la levée de l'embargo européen sur la fourniture d'armes à l'opposition en Syrie entrave la tenue de la conférence internationale sur la Syrie prévue prochainement à Genève. Lavrov a lancé dans une conférence de presse tenue à Moscou une mise en garde contre l'augmentation du nombre de combattants étrangers venant en Syrie des pays de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Lavrov a d'autre part jugé que l'opposition syrienne, basée dans des capitales occidentales, ignore parfaitement la souffrance du peuple syrien. Le représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, Vitaly Churkin, a réitéré le soutien de son pays au principe de non-ingérence extérieure dans les affaires de la Syrie et de la nécessité de se concentrer sur la recherche d'une solution politique à la crise syrienne. Churkin a déclaré dans une interview accordée à la presse que l'objectif de la fourniture de la Russie à la Syrie du système de missiles S-300 est de dissuader toute intervention militaire étrangère. Churkin a déclaré que la Russie fournit des armes à la Syrie sur la base de contrats signés avant le début de la crise syrienne, soulignant que les autres pays qui fournissent des armes aux groupes terroristes armés aident à augmenter les actes de violence. Churkin a également affirmé que les armes russes vendues à la Syrie sont destinées à préserver et promouvoir la stabilité régionale, étant donné que la Syrie est un pays important au Moyen-Orient.
L'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans les deux campagnes de Homs Nord, Adouer et Al-Muhajirin, tout en poursuivant ses opérations à l'Oxer, en infligeant de lourdes pertes aux terroristes et détruisant leurs caches. Les forces de l'armée arabe syrienne ont repris 8 hangars sur les 15 situés dans l'aéroport d'Odaba. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leurs opérations contre des caches de terroristes et détruisent un entrepôt de munitions et un canon de calibre 23 mm dans plusieurs régions d'Alep. Une source au placé a indiqué qu'un entrepôt contenant une grande quantité de munitions a été détruit dans le village d'Al-Jbele alors que 16 terroristes ont été tués près de l'hôpital Al-Kindi. La même source a précisé que 23 autres terroristes avaient été tués dans le village Al-Alqamiya et dans les fermes avoisinant l'aéroport de Menir. Des terroristes ont été également tués et d'autres blessés dans une opération de l'armée arabe syrienne sur la route Alep-Idleb, près de l'axe sud de la ville d'Alep. D'autres terroristes, dont 3 leaders des groupes terroristes, ont été tués près de la place Ash-Sha'ar à Alep. Quant à la situation sur le terrain, dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne poursuit la traque des groupes terroristes armés à Barz el-Balad et dans les fermes avoisinantes, faisant des morts et des blessés dans leurs rangs et détruisant leurs caches d'armes et de munitions. À Jobar, des éléments des groupes terroristes armés ont été liquidés et d'autres blessés près du bâtiment des enseignants et à l'est du rond-point d'Al-Manacher. À Harasta, un leader du groupe terroriste ainsi qu'un nombre de terroristes ont été éliminés dans une opération spécifique menée par l'armée arabe syrienne. À Douma, des terroristes du soi-disant bataillon Al-Houda ont été liquidés. De même, l'armée arabe syrienne continue la traque des groupes terroristes armés dans les fermes entourant les localités d'Al-Qasimiya, Al-Daminiya et Al-Ahmadiyya à Al-Ghouta Est et détruisant leurs repères. À Daraa, l'armée arabe syrienne a visé des repères et des foyers des groupes terroristes armés dans les régions de Jamle, Al-Shabraq, Naf'a et Tsel, leur infligeant de lourdes pertes. L'armée arabe syrienne a fait face à une attaque menée par des terroristes dans la localité d'Al-Na'ima, faisant des morts et des blessés parmi eux, dont des chefs de groupes terroristes. À Hama, l'armée arabe syrienne a détruit des repères et des rassemblements de groupes terroristes armés à Tal el-Houach, dans la banlieue de Hama, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. Dans la campagne de l'attaqué à Rehaniya et à Al-Rayaniya, une unité de l'armée arabe syrienne a visé des rassemblements de groupes terroristes armés de front al-Nusra, dont un grand nombre est de nationalité étrangère, leur infligeant de lourdes pertes. Et dans la banlieue d'Idleb, l'armée arabe syrienne a visé des groupes terroristes armés autour de Wadi al-Daif et du village Al-Hamidiya, tuant 3 terroristes et détruisant un véhicule doté de mitrailleuses Dushka. Un camion citerne et une voiture transportant des groupes terroristes ont été également détruits par l'armée et tous les terroristes à bord ont été tués. À Deir Zor, l'armée arabe syrienne a avorté, en coopération avec les habitants, une tentative de vol des équipements de chemin de fer estimés à des milliards de livres syriennes. Les équipements volés ont été préparés à être vendus à des commerçants turcs dans le village Al-Husayniya, dans la banlieue de Deir Zor. Toujours dans notre dossier local, l'Assemblée du peuple a tenu sa 5e séance de la 4e session du premier tour de législature sous la présidence de M. Mohamed Jihad Al-Laham, président de l'Assemblée. Al-Laham a commémoré au nom de l'Assemblée les martyrs de l'Assemblée
tombée le 29 mai dans le bombardement de l'occupant français sur la ville de Damas, dans lequel 30 soldats et des centaines d'habitants de la ville de Damas ont été tués. Al-Ham a fait noter que la France colonialiste, qui avait pratiqué toute forme de terrorisme et de tuerie à l'encontre des peuples arabes il y a 70 ans, reprend aujourd'hui cette politique en soutenant le terrorisme qui vise la Syrie pour la déstabiliser et affaiblir son rôle dans la région. Voici un rappel des principaux titres. 40 pays participent à la réunion des amis de la Syrie à Téhéran pour une solution politique à la crise syrienne. Lavrov affirme la levée de l'embargo sur les armes de l'Union européenne à l'opposition syrienne armée entrave la tenue de Genève 2. L'armée arabe syrienne neutralise des terroristes de front al-Nusra, dont certains de nationalité occidentale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.